Salut à tous et à toutes, me revoilà, c'est Askomat. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui GTA 4, donc pour des petits bugs, des petits glitches, des petits stunts, et puis par la suite, bah, je vous montrerai un nouveau mode, en fait, pour moi, ça s'appelle le parcours, mais bon, le parcours, vous le connaissez. C'est ceux qui grimpent partout, qui courent, qui escaladent les murs, les murets. Mais moi j'ai trouvé une nouvelle technique, c'est que au lieu de le faire à pied, on le fait en voiture. Et c'est déjà plus amusant en voiture que à pied. Donc, je vais juste baisser un peu, mettre un peu de musique. Voilà. En fait, donc, je vais montrer ce petit bug. Donc là normalement vous prenez une moto au hasard. Donc je vais vous montrer déjà la moto, comment elle va vite sans crever un pneu. Donc là, regardez, j'accélère normalement. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de chose spéciale. Mais regardez, si je fais quelque chose d'inhabituel, je vais juste crever ma roue arrière, voire les deux. Mais bon, c'est déjà mieux avec la roue arrière. Donc vous allez voir ce qui va se passer, c'est que elle va crever et après je sais pas si c'est un bug ou c'est autre chose dans le jeu, mais dès que vous allez crever le pneu là, vous allez pouvoir vraiment accélérer, mais vraiment énormément vite. Voilà, enfin. Donc je vais retourner à derrière, enfin jusqu'à derrière. Attendez. Je vais me remettre dans la position là, mais de l'autre côté. Et donc vous allez vous apercevoir que je vais vraiment aller super vite avec cette moto là. Avec cette moto là ou avec d'autres motos, hein. Ça change. Hein. Donc regardez comment je vais vite. Donc déjà là vous accélérez. Regardez cette moto, comment elle accélère. Donc vous pouvez le faire avec les voitures, les camions, les motos. Vous pouvez vraiment aller super vite. C'est vraiment un truc de dingue. Donc là j'ai un peu j'ai un peu mouru. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Voilà. Donc vous pouvez faire ça avec vraiment toutes les voitures qu'il y a. Donc je vais vous montrer faire ce bug là avec quoi. Avec vous avez quoi? Attends. J'ai déjà amélioré le temps parce que s'il pleut, ça va être un peu chiant. Voilà, nickel. Je vais prendre la comète. La comète, normalement, c'est vraiment une des voitures les mieux. Enfin, les mieux à part la Bullet GT, c'est vraiment une des meilleures. Donc, il faut que je trouve un endroit qui est assez grand niveau longueur route. Donc, je vais aller... Je sais pas si là ça va être un peu chaud ici. Je vais y retourner à ma grande route de tout à l'heure si j'arrive à trouver. Alors c'est dans les. Ce point là, il bouge. C'est là, normalement. Voilà, là il y a une grande route. Pardon. Alors ouais, je vais faire ça ici. Le problème c'est que. Ce serait peut-être mieux de le faire en multijoueur et mettre vraiment véhicule garé ou juste pas beaucoup, enfin normal, parce que vraiment là c'est vraiment n'importe quoi, ou bien faire ça la nuit, parce que le problème c'est qu'en journée il y a tellement de voitures que ça va être vraiment difficile de faire ce bug. Donc je vais crever les roues avant et arrière, donc je vais carrément prendre un flingue, c'est un peu vite. J'espère qu'il n'y aura pas de putain qui s'y logue. Donc maintenant j'ai plus qu'à rouler, attendre que mes pneus crèvent et vous allez vraiment vous apercevoir que je vais vraiment aller super vite. Donc là déjà mes deux pneus derrière sont morts. Et regardez cette vitesse incroyable de cette comète. Elle est vraiment impressionnante. Voilà.
Le problème, c'est que si vous contrôlez plus votre voiture, ce sera vraiment vraiment dur de gérer. Voilà, mes quatre pneus sont morts. Et vous avez vu vraiment pardon. Maintenant, ça dure avec de me semer les flics, ça va être un peu chaud. Donc je vais retourner en arrière. Donc le truc qui est pas mal à faire aussi, c'est avec le bug du camion de pompier. Vous tirez avec la lance et vous crevez les pneus du camion de pompier. Vous allez vraiment avoir une vitesse incroyablement puissante. Oh putain. Oh la vache. Regardez comment c'est flou. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oh là là. Oh là là. Oh la pauvre voiture. Je vais peut-être juste baisser la luminosité de mon caméscope. Que vous voyez au moins comment ça fait quand vous allez vraiment vite. Alors, je vais refaire. Ah bah non, mais si je fais ça. Donc je vais le refaire avec cette voiture-là, juste pour que vous voyez bien que l'effet flou de la voiture, c'est un truc. Franchement, c'est un truc de malade. C'est un truc que j'ai jamais vu. Oh là là. Voilà. Bon, je vais essayer peut-être ça avec une autre voiture, voir un autre camion, voir la Bullet GT, ou je sais pas. Je vais essayer de voir ça. Sinon, je prends une voiture vraiment pourrie pour vraiment que vous voyez que. Que. Merde, c'est qui ça? Attendez, il faut que je trouve une voiture pourrie donc. Que vais-je prendre? Une moto, une Super GT. Je crois pas qu'on peut exploser les pneus du tank. Je suis pas sûr, je crois pas. Qu'est-ce que je peux prendre? Bah merde, elle est où les voitures d'avant là? La Cognoscenti. Voilà, celle-là. Donc normalement, celle-là, c'est vraiment une voiture qui va pas super vite, hein. Donc, vous crevez la roue là. Et la roue avant. Putain. Allez, dépa. Voilà. Mais putain, bouge toi! Bouge! Casse-toi! Les flics. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, vous accélérez à fond et vous allez vraiment voir que votre voiture elle va super aller vite. Donc, si vous voulez vous amuser, vous faites ça avec toutes les voitures qu'il y a. Voir toutes les voitures, voir les camions de chantier ou les bus, vraiment tout ce qu'il y a. Et franchement, il y a moyen de s'amuser parce que c'est vraiment énorme. Pourquoi elle avance plus? Ah d'accord, elle est enfoncée à l'avant. Donc franchement, il y a moyen de s'amuser. Hein. Donc soit en solo, soit en multijoueur. Avec vraiment pas beaucoup de piétons ou de véhicules. Parce que sinon, c'est un peu chiant. Donc regardez comment j'accélère, même si mon pare-choc avant gauche il est complètement mort et complètement enfoncé, vous allez vraiment avoir une vitesse incroyable de toutes les voitures, de tout ce que vous voulez en fait. Bon bref, ça a un peu bugué là. Et donc voilà. que vais-je vous montrer aussi? Je vais vous montrer le type de parcours que vous pouvez faire. Au lieu de, comme je vous l'ai dit avant, au lieu de le faire à pied, vous pouvez le faire en véhicule. Donc, le meilleur véhicule qu'il faut prendre, c'est tout ce qui est 4x4, pick-up, à 4 roues motrices, si possible. Parce que les petites voitures toutes pourries, vous allez vraiment ramer avec votre véhicule. Donc là, je vais retourner d'où j'étais avant. Pourquoi je suis en plein milieu là? Non, il faut que je retourne. Non, il faut que j'aille là où j'avais mis mon point, donc il faut que j'aille là-bas. Donc la vue là, je la prends pas beaucoup, donc si j'arrive pas à gérer, je remettrai l'autre.
Parce que la villa, j'arrive bien, je fais vraiment des trucs de ouf. Je fais des saltos, des loopings, je fais vraiment un truc de taré. Je passe vraiment à côté des bâtiments, c'est vraiment un truc de malade. Donc le parcours que je vais vous montrer là, c'est que, regardez, je vais essayer de trouver un 4x4. Il y a un pick-up rouge là. Si j'arrive à le prendre. Voilà. J'espère que... Allez, faut que je me mette en plein milieu. Voilà, nickel. Donc maintenant, je vais prendre le pick-up rouge qui est juste à côté de moi. Alors franchement, c'est pas une des voitures que j'aime bien, mais c'est une des voitures des pick-up que j'aime bien. Donc tout ce qui est pick-up 4x4, franchement, c'est vraiment un truc de malade, j'aime bien. J'adore. Je vais vous montrer ça de suite. Attendez 2 secondes, je vais juste baisser le volet parce que c'est chiant, on voit vraiment rien. Donc, regardez ça. Je vais trouver un endroit pas mal. Bouge-toi. Je sais pas quoi vous montrer, comment, enfin, quelle ville vous montrer, parce qu'il n'y a pas beaucoup. En fait, le parcours que je veux faire, c'est que genre, vous montez avec votre véhicule sur des marches, sur des trucs vraiment vraiment chaotiques. Peut-être passer par là. Je sais pas où aller. Donc genre vous montez les escaliers là, vous allez à droite, vous montez vraiment partout. Pour passer par la fontaine, par là, voilà. Je sais pas où aller sinon. Genre, je sais pas, moi je vais du côté là, je sais pas ce qu'il y a. L'arrache. Là il n'y a rien. Parce que ça va être un peu problématique, ça, c'est que si je peux pas vous montrer vraiment le truc qu'on peut faire, ça va être vraiment pourri. Bon, désolé, j'écrase un peu les gens, c'est pas ça que je voulais faire. C'est quoi ça? D'accord. En fait, je suis en train de voir que c'est pas vraiment la bonne ville qu'il faut prendre. Je pense que c'est la meilleure ville, je pense que c'est soit. C'est pas ça que je voulais. La meilleure ville qu'il faut. C'est là où il y a des boss, vraiment des endroits qui sont vraiment chaotiques, vraiment où vous pouvez vraiment passer partout. Hein. Donc je sais pas où aller. Bon, j'ai trouvé un endroit au hasard. Je vais aller là. À mon point vert, donc là je tourne, il faut que j'aille en arrière. Go, 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 go. J'essaie de passer en plein milieu là si j'arrive. Oh joli. Oh popo. Donc dès que vous prenez un coin, ça c'est tendu parce que. Vous êtes obligé de ricocher sur les autres bords. C'est un truc de ouf. Alors, je vais aller où? Je vais aller au hasard. Je vais me poser au hasard. Il y a un bon endroit là. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à trouver un pick-up. Je crois qu'il y en a un qui arrive là. Non, merde. Faut que j'arrive à trouver un pick-up maintenant, ça va être un peu difficile. Non, c'est pas ça que je veux. Parce que si je prends n'importe quelle bagnole, je pense pas y arriver. Je vais essayer avec n'importe quelle bagnole. Je vais vous montrer celle que j'aime bien, c'est la Bullet GT, elle est vraiment énorme.
Donc en noir, hein. Elle est stylée au moins. Donc avec celle-là, je vais vous montrer ce genre de, le genre de parcours que vous pouvez faire. Je vais aller où? Faut que je trouve une ruelle vraiment, vraiment avec plein de bosses, plein d'escaliers. Il faut que je trouve alors, putain, normalement c'est une des villes qui est bien pour parcourir dans les ruelles. Là il y a un petit saut à faire, qui est bien. Là, oui, nickel. Alors. Je ne trouve pas de ruelle chaotique. Où pourrais-je aller? Il y a des balançoires aussi là. Je sais pas si... Attendez. Ah non, c'est pas là où... Je sais pas s'il y a moyen de faire comme le bug de la balançoire, mais ailleurs. Là, je suis... Je suis juste là. Je sais pas s'il y a possibilité de... Je sais pas. Ah, il y a un 4x4 là. Je sais pas si je le prends ou pas. Je sais pas si j'arriverai à trouver ou pas. Il y a un mec. J'ai pas vu. Non, il n'y a pas possibilité de passer. Je sais pas du tout comment faire. Bon, bref. Il faut que... Bon, merde, je sais pas où ils sont les ruelles là. J'arrive pas à en trouver. Vous savez, c'est des genres de ruelles où vous pouvez passer avec n'importe quelle bagnole. Là, je vais essayer de passer. Je sais pas. Je tente. Allez, je tente. Oui, je suis où là? Je sais même pas où je suis. Bon là ça franchement ça me gâte parce que tout, le, je sais que la dernière fois là j'ai fait une dernière vidéo là j'ai fait une vidéo tout à l'heure juste et le problème c'est que j'ai parcouru partout et j'ai pas trouvé au magnifique stunt et en plus j'ai raterré sur les roues, franchement ça c'est énorme. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer sinon peut-être les stunts en moto peut-être. Alors, pardon. Peut-être des stunts en moto. Non, je sais pas. Donc voilà, je voulais passer une information. Si les gens qui regardent cette vidéo-là et qui sont vraiment intéressés pour une partie multijoueur avec d'autres youtubeurs ou d'autres abonnés, pourriez-vous vous connecter un jour sur Xbox 360 et essayer de confirmer un rendez-vous sur le live pour une prochaine vidéo de parcours en voiture. En fait, j'aimerais bien qu'on se retrouve tous ensemble, voire à 15 joueurs maximum, pour faire du parcours en véhicule, voire à pied. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment énorme. Bon, je sais pas où aller parce que je vais retourner là-bas. C'est un peu monotone parce que j'arrive pas à trouver l'endroit fétiche que je veux trouver en fait. Le problème c'est que je sais pas où aller. Je sais qu'il y a longtemps je m'étais, j'avais trouvé un bon endroit, mais je ne sais plus où c'est. Alors ça doit être dans les coins là. La carte elle a bugué parce que là je me trouve où il y a de l'eau. C'est bon. Alors où est-ce que il y a moyen que. Voilà. C'est à droite. Écho. C'est pas encore là, je crois aussi. Non, c'est pas encore là, c'est en face. Donc je vais aller en face. Et je vais essayer de me. Me trouver un coin pas mal. Je sais pas, aller, je sais pas où aller. Pff, allez, je vais me cracher là-dedans, allez, je suis dedans.
Le mec complètement à l'arrache. Alors là, il y a un bon endroit, mais j'ai pas de véhicule. J'ai pas de pick-up, donc ça va être un peu dur. Oh, il n'y a personne dans cet endroit là, c'est quoi de ça? Bon, je vais carrément prendre ma voiture. En bleu, magnifique. Donc je vais retourner là où j'étais et vous allez voir, c'est vraiment intéressant, c'est à moins d'être à 15 joueurs, c'est vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de choses à 15 joueurs sur GTA 4, Xbox 360. Donc là j'ai GTA 4 Gettoni et donc sur GTA 4 ou GTA 4 Gettoni, moi je m'en fous, hein, c'est pareil, à part que d'autres y a d'autres véhicules je crois. Donc déjà il y a celle-là comme voiture. Allez, grave, voilà. Donc là je grave vraiment n'importe où. Vous pouvez vraiment passer là où vous voulez, ici, sur les côtés, carrément, genre juste là, vous pouvez vraiment. Je sais pas, vous passez vraiment n'importe où, donc vraiment se suivre. Si j'arrive à trouver beaucoup de monde sur Xbox, si possibilité de se suivre et essayer de faire des stunts vraiment tous ensemble, vraiment s'amuser un maximum. Et donc voilà, je sais pas, faut que je trouve un pick-up. Je sais pas où aller pour trouver un pick-up. Oh, ben je crois qu'il y a un stunt à faire. Donc regardez, je vais crever mes deux pneus arrière avec cette voiture-là. Déjà, c'est une voiture qui va extrêmement extrêmement vite. Et donc je vais essayer de passer au pont là avec mes deux roues crevées. S'il n'y a pas beaucoup de circulation, ce serait vraiment bien. Alors j'attends que les roues se crèvent. Voilà. Voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à. Oh, ça t'a un peu dur à passer. Allez, je tente. Bon, je sais pas du tout comment je vais me réceptionner, hein, parce que ça va être vraiment un truc de fou. Allez, accélère. Je sais pas, j'aurais peut-être pas cette vitesse. Oh là là, déjà je tourne vraiment. Oh putain, oh putain. Non, non, non. Ouf. Ouais, ça va être trop difficile. Merde, il y a un trou. Oh putain. Mais quel con. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Alors. Il est à moitié mort dans le dans l'eau. Elle monte. Bon, je vais me faire réapparaître un véhicule. Voilà, directement ça. J'arrive jamais à trouver l'endroit adéquat pour faire ce genre de parcours. C'est quoi, c'est un bateau? Ah ouais, c'est le gros bateau de fou là, c'est un nom bizarre. Bon, je n'arriverai pas à trouver l'endroit que je veux, donc voilà, c'était juste pour vous montrer les petits bugs, les petits trucs que vous pouvez faire en solo, en multijoueur. Voilà, je vais aussi vous dire s'il y a moyen de se faire du multijoueur sur des courses GTA ou GTA normal en moto si possible avec la Nitro, il y aura vraiment moyen de se faire beaucoup de stunts et vraiment de s'amuser avec la Nitro et la roue de la moto crevée. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Il y a une moto aussi qui est rapide, c'est l'Akuma, je crois que c'est ça. Je vais essayer de prendre l'Akuma. Elle est juste là. Voilà. L'Akuma, normalement, c'est une bonne moto. Je vais crever juste la roue arrière, voir avant, pour voir vraiment ce que ça fait. En plus, quand c'est mouillé, ça va être vraiment un truc de malade. Pardon. Donc voilà, roue arrière crevée,
roue avant bientôt. Là c'est bon. Regardez cette accélération de ouf. Merde, j'avais pas vu que j'étais là. Je croyais que j'étais. J'avais même pas vu où j'étais. Donc je vais reprendre cette moto. Et après je vais m'arrêter parce que je suis déjà à 25 minutes. Et voilà, au moins je vous aurai montré ça. Alors je vais retourner en arrière. Oh, il y a un... Non, pas de véhicule, c'est bon. Je vais accélérer. J'espère ne pas me prendre une voiture en pleine face parce que c'est ça va vraiment faire mal. Regardez cette vitesse incroyable. Oh là là, il y a le... Bon, tant pis, je passe comme un fou. Oh, joli. Oh merde. Oh, comment j'ai giclé. Oh, le truc de ouf. Oh, le truc, comment j'ai giclé. Et puis pour la fin, je vais faire une petite... Petite embuscade aux flics. Allez, grimpe. Allez, allez! Donc je vais quitter par cette vidéo-là, vraiment pour m'amuser, vraiment pour faire un truc vraiment énorme. Je vais vraiment... Je vais vous quitter avec cette embuscade aux flics. Bon, lui, il a bugué complètement. Moi aussi. C'est vraiment le carnage, hein. Normalement il y a... Ah non, c'est pas le pont là, normalement il y a une... Oh, comme il a mangé lui. Ouais, comme je disais, normalement il y a des flics, il y a des barrages de flics normalement dans les différents ponts, mais là apparemment il n'y a rien, donc c'est vraiment bizarre. Donc voilà, je vais quitter comme ça. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour une petite vidéo découverte et bug de GTA 4. Et je vais mourir comme ça. Donc vraiment, je crame vraiment de partout. C'est un truc de malade. Je vais terminer ça comme ça. Voilà. Nickel, explosion de ouf, et voilà, je termine par là. Allez, salut à tous, c'était Ascomat sur Xbox 360. Salut!